bad seats. Not bad seats at all. Bienvenue à la nouvelle émission de Popcorn et Bande Culte au Ciné, exactement la deuxième édition. Alors, Culte au Ciné, c'est quoi, Guillaume ? Culte au Ciné, c'est le principe de revoir nos films cultes au cinéma, sur grand écran, parce que nous aimons le cinéma et surtout son dispositif à Popcorn et Bande. Oui, donc en effet, on va s'interroger sur pourquoi revoir des grands films cultes sur grand écran et pas en vidéo chez soi. Effectivement. Alors, pour nous, le cinéma, c'est une affaire de rituel, donc pour ça, donc chaque film a son rituel pour ça, chacun d'ailleurs. Pour certains, ça va être le pop-corn et la salle de ciné. Pour d'autres, on va aller chez soi avec le home cinéma, la pizza et la bière qui va bien. Toujours à consommer avec modération, on ne répétera jamais assez. Et enfin, il y a un petit rituel qui date un peu, qui a tendance à vachement disparaître, qui est d'aller se perdre dans les rayons d'un vidéoclub qui est rempli de jaquettes, donc VHS, DVD. Quoi. Pour paraphraser Joly, ça me manque les années 90. Alors Joly, du coup, c'est Adrien Joly qui fait aussi partie de l'association Popcorn et Bande et qui est autour. Qui nous regarde avec ferveur parce qu'il nous aime beaucoup. Et admiration. Beaucoup d'admiration. Admiration. Donc, la semaine dernière, on s'était intéressé à la ligne verte. Effectivement. Cette semaine, on va s'intéresser à un barbare nommé Conan. Donc, concrètement, on ne va pas s'intéresser à Conan le Destructeur, même si on aime Richard Fleischer, mais que là, il y a quand même des limites. On va aller sur Conan le Barbare de John Milius. Donc, John Milius, qui était un des plus grands scénaristes hollywoodiens avant de passer à la réalisation. Vraiment, oui. Enfin, tu es d'accord avec moi, il y a notamment écrit Apocalypse Now à partir d'une base de George Lucas, si je ne me trompe pas. Il a écrit... John Milius, il faut savoir qu'au-delà des scénarios sur lesquels il a été crédité officiellement en tant que scénariste, il a bossé sur un nombre incalculable de scénars sur lesquels il n'a pas pu être crédité pour des raisons multiples et variées, notamment que là-bas, il y a les syndicats des scénaristes, la guilde des auteurs. La guilde des scénaristes ou des auteurs américains. Qui interdit en fait d'être crédité à partir du moment où tu ne poses qu'une sur une des phrases. Est-ce qu'il était derrière le second volet de l'inspecteur Harry, Magnum Force. Il était même sur le premier, mais il n'avait pas été crédité. Ah bah tu vois. Ouais. Comme quoi, donc grand scénariste, donc il est passé à la réalisation. Donc, je dis pas de conneries. Donc il est passé aussi, donc il a notamment réalisé Dillinger, si je me. C'est ça. Voilà, Dillinger et notamment un autre grand film qui s'appelle Conan le Barbare. Alors Conan le Barbare, dans quel contexte tu l'as découvert ? Pas ici. Ouais. Moi, Conan le Barbare, étant trop jeune pour l'avoir vu à sa sortie, moi j'ai déjà d'abord découvert à la télévision, en DVD, en VHS, etc. Et tout. Et j'ai toujours énormément aimé le film. Mais c'est vrai que ça ne faisait pas partie au début de ces films qui avaient particulièrement traumatisé ma cinéphilie. Il a fallu attendre que je le redécouvre en salle pour que le film m'imprime vraiment la rétine et ne me quitte pas quoi. Et... Au Grand Rex ? Non. Même pas. Ici. C'était il y a bien 10 ans. Pendant la rétrospective Heroic Fantasy que l'Arasim Festival avait programmé cette année-là. Qu'on salue. Et c'était John Borman était l'invité d'honneur. Ouais. Et il y avait notamment une soirée prévue avec la projection d'Excalibur sur grand écran. Excalibur qui m'avait marqué beaucoup plus que Conan le Barbare et j'étais beaucoup plus impatient de redécouvrir. Et ce soir-là, exceptionnel, on avait droit à un double programme. Conan le Barbare suivi d'Excalibur. Moi, j'attendais Excalibur, j'ai vu Conan le Barbare, et il m'a fracassé la gueule, quoi. C'est-à-dire que moi, honnêtement, du début à la fin, j'étais suspendu à absolument tout ce qui se passait sur grand écran. La copie à vos beaux avoir subi l'usure des années, j'en avais strictement rien à couler quoi. Et ça m'a tellement fracassé la tronche que
quand j'ai enchaîné après avec Excalibur, ça devait être dur. C'était très dur, j'étais incapable de me concentrer sur le film. En fait, Conan le Barbare m'a gâché ma découverte d'Excalibur au cinéma, quoi. J'ai été incapable de penser à autre chose. En même temps, quand tu sors d'un truc pareil, mec, il te faut au moins 2 pintes de bière pour te remettre de tes émotions, quoi. Ouais, donc c'était, on peut parler, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, d'une pure expérience de barbarie. Ah, je pense que c'est ça aussi qui surprend. C'est, je sais plus, quel, je crois que c'est le critique des Rolling Stones qui avait dit que c'était... c'était un Star Wars sous acide. Ouais, c'était un peu ça, ouais. Et que finalement, si Star Wars c'était les Beatles, alors Conan le Barbare c'était les Rolling Stones. Ouais, c'est ça. Bah là, c'est pas tout à fait faux en plus, hein, comme descriptif, même si je pense que les influences de Milius en règle générale, même si c'est un emblème de la contre-culture des années 70, c'est un type dont l'imaginaire, dont le patrimoine culturel se situe plus cinématographiquement déjà du côté de Kurosawa, ouais, du côté de John Ford, et ça se voit énormément dans Conan le Barbare. Et pour ce qui est des autres influences, je pense que le type, il y a plus une photo de Gengis Khan dans son salon que celle de Mick Jagger, quoi, clairement. Je vais relier, je trouve, à Apocalypse Now, il y a quelque chose qui ressort, donc c'est l'expérience. De la guerre pure, du combat pur, du sang, quoi. Mmh. Et alors, bien sûr, Conan le Barbare, un énorme récit d'aventure. C'est un récit, il y a le récit initiatique du héros, quoi. Mmh. On retrouve tous ces motifs. Mais c'est vrai que quand on suit Conan, on se dit, mais on va débarquer dans un monde qui est presque sans foi ni loi. Et comment on va y remettre de l'ordre, quoi. C'est un peu ça, ouais. Et dans l'absolu, il cherche pas tellement Il cherche pas tellement à remettre de l'ordre, en fait, dans ce film. Il est conscient. Je pense que Milius, c'est quelqu'un qui aime profondément la civilisation chaotique, très barbare, très violente qu'il dépeint, en fait. De l'Ouest, en fait. De l'Ouest, ouais, clairement, c'est ça, quoi. Et moi, tu sens que Conan est pas foncièrement là pour remettre de l'ordre dans tout ça, de l'ordre au sens où il voudrait réadapter cette réalité-là à notre réalité à nous, avec des repères moraux qui sont... Il n'y a pas de loi, etc. Voilà, mais il y a une forme de retour à un statu quo. Clairement, ouais. Et en plus, ce qui est très marrant, c'est que c'était la réflexion qu'on s'était fait la dernière fois quand on avait revu le film, c'était que quand tu vois le personnage de Tulsa Doom, qui est magistralement incarné par James Earl Jones, et toute sa secte, en fait... qui hippie, quoi, quasiment. C'est purement une scène hippie, quoi. Et puis on a vraiment l'impression que grosso modo, là, Milius, il vise les années 60 et 70, notamment le spectre de Charles Manson et de la secte Manson qui continuait encore à cette époque-là à planer, en fait, sur Hollywood et sur Los Angeles. Et t'as l'impression qu'avec Conan le Barbare, bon, bah, c'est pas qu'il règle un peu ses comptes, mais tu sens que grosso modo, il y a un petit message à faire passer qui est. Oui, à la fin, le message de paix, ouais, et d'amour. Qui de toute façon n'est qu'une façade derrière toute une escroquerie monumentale, et surtout une escroquerie spirituelle. Je pense que ça, c'est très important de le dire. L'escroquerie spirituelle, elle est mais découpée en tranches, on peut le dire. Elle est découpée de partout, elle se prend des coups de flèche, hein, bref, elle est dégommée par notre cher Conan. Et alors, au début, sans spoil, et donc il est accompagné par deux autres personnages. Mais je pense que c'est là que c'est intéressant, c'est que Conan, lui, en plus, c'est quelqu'un qui croit au dieu Chrome. À l'acier. À l'acier, donc à une sorte de divinité qui est hyper pragmatique. Mmh. Et on est au contre. Là, il est face à, ouais, à une sorte de secte qui croit. Comment on pourrait dire ça? C'est un fantasme absolu, quoi. C'est un fantasme absolu. Et puis en plus, je pense qu'au-delà de ça, c'est Milius, c'est pas quelqu'un qui aime les systèmes, en fait, déjà à la base. C'est-à-dire que tout ce qui va se rapprocher d'un système, qu'il se soit politique ou qu'il soit religieux organisé, va automatiquement susciter une méfiance instinctive chez lui. Et je pense que ce qu'il aime dans Conan, fondamentalement, la sauvagerie de Conan, la barbarie de Conan, c'est que ça lui permet de décider de son libre arbitre, parce qu'il n'est afféodé à rien, ça sauvage. Je pense que, à mon avis, ce qui est très frappant dans Conan le Barbare, et ce qui continue à demeurer aussi galvanisant aujourd'hui quand on le regarde, c'est cette idée d'un personnage qui est à la fois sauvage, qui est à la fois barbare, primitif. Mais c'est cette primitivité-là qui lui permet de se construire en tant qu'homme libre. Ce qui ne l'empêche pas de travailler en groupe avec. Je crois que c'est Sobutai et. Et son amour perdu qui s'appelle le. Qui ressemble à une Valkyrie en plus. Qui ressemble totalement à une Valkyrie, ouais. Et là, on a ce côté très western en fait. Ouais. Où vous avez une communauté qui se forme dans un territoire hostile, quoi. Et qui se forme pas au gré des. Qui se forme au gré des intérêts, mais au gré des amitiés de chacun, des nécessités, quoi. Et qui va affronter une société corrompue. Exactement. Donc, Conan le Barbare, pourquoi?
En fait, la question elle paraît presque bête ouais. comparée à la ligne verte. Pourquoi revoir Conan le barbare sur grand écran quoi. Ah ben bah oui, totalement. Parce que là, c'est vrai que si tu parles en fait de grands espaces, d'aventures, du scope, d'aventures plus grandes que l'homme, Conan le barbare est un film qui est fait pour grand écran. Parce que comme on le disait, Milius, c'est quelqu'un qui va puiser ses inspirations de mise en scène chez Kurosawa, chez John Ford. Et quand il pense en cadre, il pense en splendeur du grand écran. Donc ça, quand tu le vois en salle, ouais, tu comprends ce que c'est le cinéma qui est fait en fait pour un grand écran. C'est le territoire du mythe. Et Arnold Schwarzenegger est un mythe. C'est-à-dire que moi, quand je regarde Conan le Barbare ou un autre film de cet acabit en fait, sur ma télévision, même si je kiffe l'expérience... Bah tu vois, je reste quand même dans mon salon. Et du coup, ces mythes que je regarde, c'est comme s'ils se rétrécissaient, en fait, pour venir dans ma réalité. En fait, c'est limite comme si j'étais devant un aquarium. Par contre, quand je vais au cinéma et que je les regarde se déployer devant l'écran, là, c'est moi qui vais dans leur réalité à eux. C'est-à-dire que je suis dans l'Olympe. Je suis au Valhalla, au royaume de Chrome. Et ce territoire de légende qui est le cinéma, qui est le grand écran à ce moment-là, en fait, il ne vient pas me visiter moi, c'est moi qui vais le visiter, quoi, tu vois. C'est donc, la grandeur de l'écran, du mythe qui vient te bousculer. Exactement, quoi. Je suis en train de regarder des mythes sur un territoire de mythes. Et en plus, quand tu prends la scène d'ouverture qui est incroyable. Wagner est mort, t'as vraiment l'impression de voir un opéra de Wagner, mais qui se découpe grandeur nature là-dessus, quoi. Et là, toutes les sensations de ce monde-là. Ouais. Tu te les manges dans la gueule. Je trouve que l'intérêt donc pour Conan aussi, c'est peut-être purement technique ce que je vais dire, mais quand on regarde un scope sur un Blu-ray ou un DVD, on a des bandes noires haut et bas. C'est ça, ouais. Et donc, mine de rien, ça enferme l'image, ça la cadre, ça la recadre. Et à fortiori, ça enferme le mythe. Exactement. Et du coup, quand on voit un scope sur un écran, scope taillé par exemple ici dans cette salle numéro 1 donc, du Megarama Arras, le scope est pour tout l'écran et ne demande qu'à déborder et le mythe et tout l'univers même tout cet univers primitif ne demande qu'une chose viens exactement viens il vient vers toi et on a l'impression en fait voilà que c'est vraiment que c'est Chrome en personne qui vient en fait nous chanter sa mélodie et son opéra en direct quoi. On va terminer sur Conan le Barbare. Vous avez compris pourquoi on veut le voir sur grand écran et pourquoi il faut le voir sur grand écran. Peut-être un jour chez Popcorn. Peut-être un jour chez Popcorn Reborn. Le gros problème, c'est de choper une copie cinéma. Sachant qu'en plus, le master vidéo, je ne le trouve pas parfait. Je trouve qu'il est correct sans être fou. Donc oui, si on vous le passe, ce sera dans les meilleures conditions possibles, comme d'habitude. On se retrouve dans une petite semaine. Dans une petite semaine. Et de quoi va-t-on parler ? On va parler non pas d'un film américain, mais d'un film belge. Absolument. De quoi s'agit-il ? Vous le saurez bientôt. Juste après, on va écouter alors l'un de vos souvenirs. Donc, vous nous aurez laissé donc un de vos souvenirs que vous nous aurez laissé en message vocal sur la boîte donc de la page Popcorn Reborn. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut Popcorn Reborn, c'est Fouad. J'aimerais vous parler du jour où j'ai découvert Mad Max Fury Road en salle. À sa sortie, ce fut une expérience quasi mystique parce que lorsque les lumières se sont rallumées, j'ai ressenti le besoin urgent et impérieux de retourner le voir. Ce que je fis en retournant le voir une deuxième fois de suite parce que ce film m'a donné l'impression de communiquer avec mes ancêtres, de communiquer avec quelque chose de primitif, de primal, de dialoguer avec le cosmos. Ce fut une expérience extraordinaire que je n'ai plus ressentie depuis. Mad Max Fury Road, le film qui m'a fait dialoguer avec le cosmos.